Oui, un courant de sympathie, on le sent. D'abord, on espère, bien entendu, puisque la compétition se déroule en France, qu'elle se termine le 7 juillet. La France sera sur le terrain le 7 juillet, opposée on ne sait pas qui. Et pourquoi pas, elle gagnera. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a un courant de sympathie. Le football joué par des femmes, on découvre un peu. Est-ce que vous savez quand a eu lieu le premier match de foot joué par des femmes? Vous ne le savez pas, parce que moi, en plus, je ne le savais pas, j'ai regardé, je ne vais pas faire le malin. 1863, dans le pays de toutes les transgressions qui est l'Angleterre, bien évidemment, parce que les Anglais, quand ils peuvent, ils cassent tous les codes. Et en France, le premier match de foot joué par des femmes, c'est 1890. Je vous renvoie un livre, parce que là, j'ai l'air d'être très intelligent et de tout connaître. Il est bon, on a tous révisé le foot féminin, là. Laurence Prudhomme-Poncé, qui a écrit l'histoire du football et des femmes chez l'Harmattan. Et c'est un livre où on apprend plein de choses. Le régime de Vichy a interdit aux femmes de jouer au football en 1941, parce que c'était pas bon pour la santé. Bien entendu, quand on parle de football et de femmes, la misogynie s'introduit. Par exemple, la Fédération française de football a longtemps refusé de donner des licences aux femmes et elle n'a cédé à ce principe viril et macho qu'en mars 1970. Mai 68 est passé par là, vous voyez, mai 68 a eu des effets quand même un peu inattendus. Et on se dit, la misogynie et le football, ça appartient au passé. Aujourd'hui, on n'est pas misogyne. Eh bien, il fallait écouter mercredi soir sur CNews, face à Sonia Mabrouk, le philosophe, intelligent, cultivé, Alain Finkielkraut. Est-ce que vous allez regarder les matchs de l'équipe de France féminine de football? Réponse d'Alain Finkielkraut. Ce n'est pas comme ça que j'ai envie de voir les femmes. Fermez le banc, monsieur Finkielkraut, prenez des vacances. Ça vous fera du bien. Et la misogynie, elle peut être inattendue, invisible. Il ne faut pas dire coupe du monde de football féminin, parce que ça n'existe pas, le football féminin. Parce que les règles du football sont les mêmes pour les femmes et les hommes. Il faut dire coupe du monde féminine de football. Et voire, il faut dire coupe du monde de football, parce qu'on ne dit pas coupe du monde masculine de football. Avec tout ça, on est paré pour regarder la compétition et la France va gagner. Enfin, on l'espère.